Qu'est-ce que tu ne comprends pas? L'ensemble de ta théorie. C'est pourtant simple, lorsque Neo rencontre l'architecte de la Matrice... Oui, le vieux avec les 900 télés derrière lui. C'est un détail. Donc Neo le rencontre, et s'ensuit un dialogue passionnant, c'est là que le film est à son paroxysme. Je crois qu'on n'a pas vu le même film. Le fait qu'il y ait eu 6 versions de la Matrice et 6 versions de Neo, qui est l'élu, on interprète naturellement que chaque réincarnation de Neo est une allégorie théologique, représentant les prophètes de diverses religions, tels Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha, Marcus Garvey. C'est le truc le plus complexe et incompréhensible que j'ai entendu. Je prends cela comme un compliment. Bon, il devrait plus tarder. Croisons les doigts, qu'il soit de bonne humeur. Y a intérêt, le travail qu'on a fourni. Maillez-vous, je suis pressé. On m'attend sur Counter Strike. Bonjour, patron. Vous avez fait de l'excellent travail. C'est ce qu'on va voir. Vous en êtes où? Et suite à ma mission de reconnaissance, nous sommes allés discuter avec les barman que nous avons réussi à museler grâce à vos informations. D'ailleurs, c'est qui ces types? On s'attendait à des gars avec des pensions alimentaires en retard ou qui déchargeaient d'IVX, mais des éco-terroristes? Vous êtes sûr que l'on ne court aucun risque? Aucun danger. Ce sont des insectes face à mon intelligence. Abrégé! On en est à la phase 3. Jax et Audrey sont nos premières victimes. J'espère qu'ils sont anéantis! C'est moi qui me suis occupée d'Audrey. J'ai hacké l'ordinateur de Jax et j'ai trouvé une photo sexy de la rousse en cosplay Pikachu que j'ai joyeusement fait tourner sur les réseaux sociaux. Venant de toi, je m'attendais à mieux! On va dire que t'as pas complètement raté ta mission! Envoie-moi la photo ce soir, tu en auras besoin! De mon côté, j'ai mené une investigation sur Jax, qui s'est soldée par une découverte dans son dossier médical. L'amputation de son testicule gauche suite à une engelure. Cette information a bien évidemment fait son chemin sur la toile. C'est un peu mieux que Camille, mais pas de quoi fouetter un orc. Heureusement que je suis là pour relever le niveau. Ah ouais? Donc tu penses que tu t'es occupé d'Alan? Eh ben, je suis sur le coup, j'attends juste le bon moment pour le réduire ensemble. Mais qu'est-ce que t'attends pour l'heure de ça? Tu crois que maintenant on va faire toute seule? Je vous trouve un peu dur, patron. On en a eu 4 sur 5, c'est pas si mal. Pas si mal? Pas si mal? 4 sur 5, c'est de la merde! Ils doivent tous payer! Surtout Bud et Jax! Faut qu'ils crèvent! Cramez-moi ce connard barman avec ses chemises à la con et son sourire de merde! Et je m'étale avec mes couilles avec sa coupe de bonne femme! Je veux qu'elle souffre comme une brebis égorgée! Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? What the fuck? Allô, on vous entend mal. Je crois que vous laguez. Il a complètement disjoncté. Je trouve qu'il est plutôt serein par rapport au soir où on a fait le donjon de Sointlav. C'est vrai. J'ai oublié cette soirée-là. Pas moi. Il y a 12 membres de la guilde qui se sont barrés pendant sa crise. Du coup, j'ai dû me taper 15 jours de recrutement. C'est bien beau tout ça, mais faudrait peut-être le calmer maintenant. Autant essayer de faire un câlin à Cthulhu. Chiant. Bon, c'est vrai, j'ai rien sur Alan. Mais j'avais une surprise. Une petite crasse pour leur pervers de potes. C'est une marque d'orcelle du pauvre. D'ailleurs... Vous avez vu? T'en jettes, hein? Bah, c'est un site de boule. T'as fait ça tout seul? Ouais, j'ai bien galéré. Surtout les animations flash des gosses vibrants. Ça va plutôt bien avec le thème de ton sex shop. Et ça marche mieux, du coup? J'avais pas vraiment le choix. De nos joueurs, le plus grand nombre qui se déplace en magasin. C'est quoi l'icône avec la pieuvre? Ah putain! C'est quoi ce truc ignoble? Et elles sont vivantes en plus. Bah ouais, sinon y'a pas intérêt. T'es pas prêt pour ce niveau-là, Jack. Je vais te montrer mon produit phare. Laisse-moi deviner. Le bifleur masqué. Ouais! La plus grande fierté de ma vie. J'en suis le producteur et l'acteur principal. Kélo, je tiens pas trop à voir ta queue là tout de suite. T'inquiète, je porte un masque. Bah, ça ne marche plus. Reviens en arrière. Y'a plus rien. T'as fait un backup au moins? Non. Oh putain! Hé, au moins j'ai esquivé ta bite. Il y en a encore pour longtemps? J'aimerais bien rentrer chez moi. Ben, quand il sera calmé. Pourquoi on coupe pas la caméra? Putain...